viens de me réveiller, il est 7h30 du matin. On va aller prendre le car pendant 9h et on va aller direction New York. Cette nuit, j'ai bien dormi, hein, mais j'ai pas assez dormi, je me suis couché, c'était minuit et demi. Donc et là, on va se taper 9h de car. Allez, je vous emmène avec moi et dans 9h, on sera arrivé. Il y a la douane. Apparemment, on va passer une douane en car. Là, on est à la douane et derrière moi, j'ai fouillé le car. Là, là, vous voyez, ils sont fouillés le car avec le chien et tout. Il y a le chien dans le car. Pas, ne rigole pas. Ne hein. Rigole pas ici, franchement. C'est pas des lol, les gars. Regardez. Là, il y a le mec qui attend. Et hop, et le chien. Hop, vous voyez le chien, il descend. Hop, regardez. Le chien est descendu de là. Allez, les gars, on a passé la douane. Tout est clean. Pas de trafiquants dans les parages. Regarde, en plus il fait beau et tout. Eh, je vais vivre, pas aller dans un autre pays. J'ai besoin de rentrer chez moi, la vérité. Regardez New York là-bas, regarde. Le panneau, le beau panneau New York. Eh ouais, les gars. Allez, c'est parti, les vacances commencent. Ça, c'est un arbre américain. Joli, petite maille. Il nous reste 3 heures de route, on est à Albany. Je parle pas un mot anglais, je comprends rien. Ce que je sais, c'est qu'on a déjà fait 6 heures de route, il nous en reste 3. Dans 3 heures, on arrivera à New York. New York City. Les gars, on vient d'arriver. C'est pas encore, on est sur une heure de repos. Il y a le premier McDo. Enfin, pas le premier, mais c'est le premier que je vois aux States, aux États-Unis. Donc, on va goûter ça. Alors, regardez avec le beau drapeau American. American! American! On va goûter, on va voir. Là les gars, on va commander un bon petit menu. Regardez les menus comme ils sont ici, c'est pas très cher. Genre le menu là, double cheeseburger, 3,99€. Voilà, regardez le menu 5$. C'est les menus, vraiment les menus. Les desserts, on commande dessert. Alors, on a les trucs classiques ici. Par contre ça, je connais pas ça. Ça, ça. Bon les gars, je viens de manger le McDo. Vous voyez comme c'est gras. J'avais le sandwich les gars. Je le mangeais, il y avait l'huile du sandwich qui coulait. C'était horrible, les steaks, ils sont deux fois plus gros. C'est deux fois plus gras, deux fois plus sucré. Il y a encore deux fois plus gras, je pense que c'est 3-4 fois plus gras que... Ah, là vraiment... Ah, ça m'a dégoûté, ça m'a écœuré, la vérité. Regarde, on est en train d'arriver. Là les gars. Regardez comme c'est immense, comme c'est beau les gars. Regardez ça. Regardez ça. Incroyable. C'est trop beau aussi. Eh bien les taxis et tout, ça. Les tanks. Ça tue. Ah c'est un rêve les gars. Là c'est incroyable. C'est magnifique. Regardez ça. Regardez ça. Voilà. Et encore on n'est pas dans l'allée principale la plus connue les gars. C'est pas possible, c'est interdit. Regardez là comme il est beau, vitre teintée. Il est beau hein. Je fais du vélo dans Central Park. C'est vraiment beau. C'est comme dans les films encore une fois. Hein. Tout est... La liberté, mais je la vois pas. Ça y est, les gars, je suis dans le bateau. J'ai trouvé le bateau. Elle est là-bas. Je vais aller la voir. Allez, on va voir notre statue de la liberté. On a fait cadeau aux Américains. Je rappelle qu'elle est française. La statue de la liberté est française, les gars. C'est nous qui l'avons construite. C'est nous qui leur avons offert. On leur a donné pour les avoir remerciés d'avoir fait la guerre contre Adolf. Pont de Brooklyn les gars, le fameux pont, incroyable,
putain, c'est le plus beau voyage de ma vie. Et je pense que ben, pour l'instant, j'ai 32 ans, c'est le plus beau voyage de ma vie. Tu peux mourir, tu as vu ? Je peux me dire, je peux mourir tranquille. Je vous jure. Je dis déjà, j'ai vu ça, c'est bon. Bon, les gars, j'ai fait le pont de Brooklyn à pied. Maintenant, je vais le faire en vélo pour le retour. Regardez ça. Regardez ça, les gars. Cette vue. Mais c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Qui dit mieux ? Les gars, je suis actuellement à Wall Street. Vous avez vu le loup de Wall Street ? Quand on est dans la rue où il y a toutes les banques. Regardez. Ah, banque, banque, banque. Des banques de partout, derrière moi, banque, banque, banque. Eh ouais. Vous savez pourquoi il n'y a que des banques ? Parce que c'est les banques qui dirigent le monde, les gars. C'est pas le gouvernement, c'est les banques. Et à côté des banques, qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Ben, il y a des morts. Parce que l'argent, il mène souvent à la morgue, les gars. Eh oui. J'ai relevé la tête, regardez ce que j'ai vu. J'ai fait ça, comme ça, je suis resté choqué, regardez. Ah, je suis resté choqué de la hauteur des immeubles, les gars. C'est... Pff, incroyable. Les gars, là, je suis à côté de Chinatown. Et vous voyez, ici, on est dans une cour d'assises. Ça, c'est une cour d'assises. Et tout ce que vous voyez là, c'est des télévisions, des caméras de télé. D'accord ? Tout là, c'est le collègue qui nous a expliqué ce que c'est. Pourquoi, voilà, pourquoi il y avait autant de caméras. Et tout le long du trottoir, il y a des caméras. Regardez tout ça, regardez toutes les caméras qu'il y a. Et en fait, je vous explique, toutes ces caméras, c'est parce qu'en fait, il y a un politique du New Jersey, d'accord ? Un homme politique du New Jersey qui a été accusé de corruption. Et du coup, ben, il va passer là tout à l'heure. Et... Mais voilà, tout ce que vous voyez là, toutes les caméras et tout, c'est tout pour les télés, etc. Et voilà, il y a un mec qui s'appelle Robert Menendez. Si vous voulez taper son nom, vous allez voir, vous tapez Robert Menendez corruption. Et vous allez voir, il y a les flics de partout. Regardez, là il y a la police, là il y a encore des caméras. Enfin, voilà, c'est un gros gros truc, hein. Ce qui paraît, c'est chaud ce qu'il a fait. But when that happens now is anyone's guess. As we reported moments ago, the jury has now been sent home for the weekend after deliberating for roughly 3 hours. It is important to note that in that time, they did not send out a single note, no request for readbacks, no request to hear any more of the judge's instructions. Again, they'll be back here on Monday to pick up where they left off. We're live in Lower Manhattan, and Jay Burke at Channel 7 Eyewitness News. Regardez, il est là. Le coupable, c'est lui le coupable. Ah, il répond pas aux accusations, les gars. Il s'en va. Le sénateur pourri. Il est parti. Oh, ils ont attendu toute la journée, eux. Thank you.